Dans quelques jours, Citroën Racing débutera sa première saison en World Touring Car Championship. Après des centaines d'heures de conception, de fabrication et de développement, après des milliers de kilomètres d'essai, l'heure de la confrontation a sonné. Vous allez découvrir comment une équipe qui fait figure de référence en rallye s'est remise en cause pour partir d'une feuille blanche et appréhender les rouages de la piste. Vous allez entrer dans les coulisses pour comprendre comment, au fil des mois, le projet portant le code M43 WTCC a mûri pour donner naissance à la Citroën Cellisée WTCC. Vous allez faire plus ample connaissance avec les pilotes qui porteront les couleurs de Citroën dans cette nouvelle aventure. Sébastien Loeb, évidemment, qui se lance dans un des paris les plus audacieux de l'histoire du sport automobile après avoir remporté 9 titres en WRC. Yvan Muller, la référence, quadruple champion du monde en WTCC, qui lui aussi relève le défi en rejoignant une équipe novice sur les circuits. Il y a aussi l'Argentin José María López, dit Pechito, et le Chinois Makinhua, qui sont autant d'atouts pour défendre les ambitions de la marque dans ce championnat du monde. Mais pour comprendre la teneur de ce nouveau défi, revenons quelques années en arrière. Citroën a toujours eu le goût de l'aventure et les défis sportifs, avec l'objectif d'exprimer sa créativité et de démontrer la maîtrise de ses technologies. De la DS à la DS3 WRC, les modèles frappés du double chevron ont marqué plus d'un demi-siècle d'histoire moderne du sport automobile. Le palmarès est riche avec 5 titres mondiaux en rallye raid et 4 victoires au Dakar pour les ZX Grand Raid pilotés par Harry Vatanen et Pierre Lartigue. Plus récemment encore, Citroën Racing a marqué de son empreinte le WRC avec 93 victoires et 8 titres de champion du monde des rallyes acquis en une dizaine d'années. Tour à tour, les Xara, C4 et DS3 WRC ont permis à Sébastien Loeb et Daniel Elena de s'approprier tous les records de la discipline. Mais lorsque le pilote le plus titré de l'histoire du sport automobile décide de tourner la page, il est temps d'imaginer de nouveaux défis. Clairement, on est dans une situation où Citroën avait dominé le WRC avec 8 titres de champion du monde, avec 9 titres de champion du monde des pilotes avec Sébastien Loeb. Et il nous fallait envisager autre chose. Le sport automobile est pour nous un véritable laboratoire, la preuve technologique de nos produits et une vraie preuve technologique. La technologie utile étant bien le point commun à l'ensemble de nos voitures. Dans le courant de l'année 2012, l'idée d'un engagement en WTCC prend concrètement forme. Il faut dire que la discipline ne manque pas d'atouts avec ses courses spectaculaires, faciles à comprendre et taillées sur mesure pour la télévision. Le calendrier est véritablement mondial avec 12 meetings visitant 5 continents. Et grâce à une réglementation maîtrisée, le coût d'un tel programme demeure raisonnable pour les constructeurs comme pour les équipes privées. Le projet est révélé à la fin du mois de septembre lors du Salon Automobile de Paris. Bienvenue chez Citroën. Good morning and welcome to Citroën. Je suis convaincu que le sport automobile a joué un rôle très important dans la transformation de l'image de Citroën en étant un véritable laboratoire technologique. Sébastien, la question de ton avenir, bien sûr. C'est l'objet de questions fréquentes, a beaucoup occupé les médias, j'en ai été témoin. Comment est-ce que tu vois les choses dans l'avenir ? Moi, j'ai émis le souhait de faire du WTCC, qui est un autre championnat du monde, qui peut être une façon de recommencer une carrière pour moi et de me relancer dans un nouveau challenge avec Citroën. C'est vrai que ça pourrait être quelque chose qui est de super sympa pour l'avenir. Écoute, tu sais qu'on a commencé à y travailler, parce que ce n'est pas quelque chose qui se résout, s'invente du jour au lendemain. Ce n'est pas pour tout de suite, puisque c'est 2014-2015. Il s'agit véritablement d'une première, car mis à part quelques saisons en championnat de France de super tourisme à la fin des années 80, Citroën Racing est totalement novice en circuit. Le plus grand défi à relever, c'était une discipline qu'on ne connaissait pas du tout. Aller en circuit avec une équipe qui n'a jamais fait que entre guillemets du rallye, même si on a gagné dans toutes les disciplines, que ce soit en rallye raid ou en rallye, l'équipe, sa connaissance était le rallye et pas du tout le circuit. Avant d'officialiser son entrée dans le championnat, Citroën se laisse le temps d'étudier ce nouveau domaine. Le WTCC et le WRC sont aussi différents que le 100 mètres et le marathon. Très vite, il faut passer aux travaux pratiques et au cours de l'hiver, une curieuse voiture pose ses roues dans le sud de l'Espagne.
Début 2013, nous avons effectivement commencé à rouler avec une DS3 hybride qui était en fait directement extrapolée de la WRC qu'on avait transformée de façon à la rendre déjà traction avant et donc pas quatre roues motrices. Nous avions également un petit peu modifié les suspensions pour se rapprocher de ce qu'allait être notre vrai WTCC. Ça nous a permis déjà de toucher du doigt différentes technologies, de toucher du doigt le fonctionnement des pneumatiques, le fonctionnement des freins, mode de vitesse, moteur, voir un petit peu tout cet environnement propre au circuit. Du fait de notre manque d'expérience, on va dire notre absence d'expérience circuit, nous avons beaucoup progressé. Ça nous a permis d'avancer notablement au niveau du cahier des charges, à savoir affiner quels sont les efforts que la suspension allait devoir absorber, quels étaient les efforts au niveau des freins, toutes ces choses-là, voir un petit peu l'influence également de l'aspiration, comment allait être refroidi le moteur. Toutes ces choses-là, on ne pouvait le dégrossir qu'avec une voiture de course. Ce travail exploratoire permet à Citroën de valider la pertinence de son futur engagement sportif. Quand tous les critères sont enfin réunis, Frédéric Banzé vient en personne annoncer la bonne nouvelle aux collaborateurs de Citroën Racing. Nous allons nous lancer en 2014 dans un nouveau défi, dans le championnat du monde FIA des voitures de tourisme, plus connu sous le nom de WTCC, avec Sébastien Loeb. Monte attendait cette annonce. Entre le moment où on a fait la première annonce qu'on s'intéressait au WTCC et vraiment la décision, il y a presque eu 9 mois. Donc, tout le monde attendait cette annonce d'arriver dans une nouvelle discipline qui voulait dire aussi pour Citroën Racing une vision à moyen et à long terme. Et ça, c'était vraiment un message fort et positif pour Citroën Racing. Et puis, il y avait le fait de découvrir de nouvelles choses. On était engagé en championnat du monde de rallye depuis plus de 10 ans. En rallye en général depuis 15-20 ans. Donc, tout le monde se disait qu'on allait apprendre des choses, découvrir des choses, et ça, c'est toujours intéressant. Les voitures du WTCC sont obligatoirement dérivées de berlines à 4 ou 5 portes. Au sein de sa gamme, Citroën a le choix entre plusieurs modèles. C'est la C-Elysée, un des fers de lance du développement planétaire de la marque, qui est retenu pour ce programme. La C-Elysée rencontre un grand succès sur les marchés internationaux à forte croissance, tels que l'Amérique latine, le bassin méditerranéen, la Chine ou la Russie. Ces marchés étant largement visités par le calendrier du WTCC, le choix s'imposait de lui-même. Alors, la C-Elysée faisait du sens pour notre engagement au WTCC à double titre. D'une part parce que c'est la voiture qui est une des voitures qui est clé dans notre développement international, en particulier en Chine, et vous savez qu'il y a 2 courses de WTCC en Chine, mais aussi des courses au Maroc, en Russie. Donc il y avait vraiment une grande cohérence avec nos stratégies d'internationalisation et le fait de choisir la C-Elysée. Le deuxième, c'est que techniquement, il est plus favorable d'avoir une voiture tricore en WTCC sur circuit qu'un bicore, et donc là encore, il y avait une très bonne cohérence. Mais la C-Elysée a également d'autres avantages techniques, notamment en termes de masse. C'est une voiture qui est de série légère, donc adaptée pour la course, et qui nous a permis également d'implanter relativement facilement tous les éléments propres à la voiture de course. À partir du modèle de série, les ingénieurs du bureau d'études débutent la conception du projet M43 WTCC. Pour cela, il faut à la fois tenir compte des caractéristiques de la voiture de base, des contraintes, de la réglementation et du cahier des charges définissant le niveau de performance et de fiabilité attendu. Après avoir imaginé les voitures de rallye les plus performantes, ces hommes doivent donc repartir d'une feuille blanche. Mais la démarche est-elle si différente ? Il n'y a pas de différence. Au final, on a certains critères à faire fonctionner. L'ordre de ces critères n'est pas le même, c'est-à-dire qu'en WRC, sur la Terre par exemple, la suspension est quelque chose de primordial, l'absorption du vertical, comment est-ce que la voiture va se comporter dans les conditions très glissantes. En touring car, il y a d'autres points qui vont être plus importants, par exemple l'aérodynamisme de la voiture, la tenue à haute vitesse sur les freins, des choses comme ça. Donc les critères ne sont plus tout à fait classés dans le même ordre, mais au final, c'est la même procédure. Il faut respecter un règlement technique, il faut respecter un cahier des charges technique, il faut respecter une enveloppe budgétaire. Donc c'est le même principe, c'est juste les critères qui ne sont pas classés dans le même ordre.
Sitôt les premiers plans terminés, la construction du châssis débute à quelques mètres de là, au sein de l'atelier Tollery. À partir d'une coque de série, on découpe, on soude, on ajuste les morceaux de métal. L'équipe met les bouchées doubles pour assembler le premier prototype. Sébastien Loeb participe activement à cette genèse en visitant régulièrement le centre technique de Citroën Racing. Aucun détail n'est laissé au hasard, à l'image de l'ergonomie du poste de pilotage. L'objectif de rouler au début de l'été 2013 est tenu. Le mercredi 10 juillet, c'est au nonuple champion du monde des rallyes que revient l'honneur de baptiser la Citroën C-Élysée WTCC. Sur le petit circuit de Dreux, Seb procède à un déverminage. Pour cette première séance d'essai, l'heure n'est pas à la recherche de performance. Pilotes, techniciens et ingénieurs traquent les éventuels bugs. Le lendemain, c'est sur un aérodrome que se déplace l'équipe. La piste de décollage devient une ligne droite permettant de vérifier la bonne tenue des éléments de carrosserie à haute vitesse. Sans être négligé, l'aérodynamisme n'a qu'une importance marginale en rallye. Sur une voiture de circuit, c'est au contraire un point déterminant dans la recherche de performance. Dès leur première réflexion, les ingénieurs de Citroën Racing ont placé ce domaine au cœur du développement de la C-Élysée WTCC. On a défini une première forme, on ne va pas dire au hasard, mais quelque chose qui nous semblait bien. Donc ça, c'était un modèle CAO. De ce modèle CAO, on a fait deux choses. On a fait un modèle qui a permis de faire des calculs de CFD. Donc ça nous a permis d'avoir une première évaluation des coefficients aéro, une première évaluation des débits qui allaient passer dans les radiateurs pour faire le dimensionnement du refroidissement. Et en parallèle, on a construit une maquette qui reprenait au départ ces mêmes formes, pour nous permettre d'aller en soufflerie. Donc, on a dégrossi au départ avec la CFD un certain nombre de concepts et ensuite, quand on était à la première séance de soufflerie, on avait lancé des pièces, puisque la maquette est relativement modulaire pour permettre de changer les différentes formes libres. Et donc, on a fait des séances de soufflerie dans lesquelles, entre lesquelles on faisait des calculs de CFD aussi. La CFD a l'avantage de ne pas être obligé de fabriquer des pièces. Donc, pour les grands concepts de départ, c'est quand même beaucoup plus facile. Et ensuite, le deuxième gros avantage, c'est d'être capable d'avoir accès à des valeurs mesurées intermédiaires qui seraient très difficiles d'avoir en soufflerie. En combinant les résultats des simulations obtenues avec la CFD, des séances de soufflerie et des essais sur piste, la carrosserie de la voiture évolue par petites touches. Afin de préserver la confidentialité de ses travaux et de masquer les détails les plus subtils, la voiture arbore une décoration camouflage lors de ses sorties en piste. Comme en WRC, les voitures du WTCC sont équipées de moteurs 1600 cm3 turbo à injection directe. Cette technologie étant exploitée sur les DS3 WRC depuis 2010, les motoristes ont pu s'appuyer sur la base existante avant de se pencher sur les spécificités de la discipline. Il y a déjà une différence fondamentale. Réglementairement, on n'utilise pas la même bride. Vous savez qu'il y a une bride qui limite les performances du moteur. Donc en rallye, c'est une bride qui fait un diamètre de 33 mm. Et en circuit, donc en WTCC, on a une bride de 36 mm. Donc c'est beaucoup plus gros, ça représente une différence de performance de l'ordre de 20%. Donc déjà, ça veut dire qu'à la base, il faut calibrer le moteur pour résister à une puissance de ce type-là. Et ensuite, en WTCC, on a un moteur pour toute la saison. Donc non seulement il faut un moteur très fiable, qui résiste à une durée, une saison complète d'utilisation, et en plus qui résiste à 20% de puissance en plus.
Dans sa constitution, il y a beaucoup de choses à organiser et à prévoir pour optimiser le moteur à ce niveau de performance. Un moteur de WTCC doit donc être capable de délivrer sa puissance estimée à 380 chevaux sur une saison complète, soit près de 5000 km. Pour éprouver la fiabilité de la mécanique, les moteurs ont subi l'équivalent de plusieurs dizaines de milliers de kilomètres sur les bancs d'essai de Citroën Racing. Réputé pour son exigence, le circuit de Monza a été choisi comme référence. Écoutez, c'est comme si vous y étiez. Du bureau d'études au montage des voitures à l'atelier, le travail effectué au sein du centre technique de Citroën Racing représente la partie immergée de l'iceberg. Cet immense effort collectif a bien sûr une finalité, poser les voitures sur la piste et les faire aller le plus vite possible, d'abord en essai puis en course. Pour cela, il manque les dernières pièces du puzzle, ce sont évidemment les pilotes. À tout juste 40 ans, Sébastien Loeb se lance un défi en rejoignant une nouvelle discipline. Le pari est peut-être même encore plus audacieux que lorsqu'il s'était promis de devenir champion du monde des rallyes. Le défi en soi me plaît. C'est vrai que c'est une belle opportunité. J'arrive avec comme équipier le champion du monde, donc le meilleur de la discipline, dans une équipe pro qui met tout en œuvre pour y arriver. Donc c'est forcément un peu de pression supplémentaire, mais en même temps, c'est aussi des avantages qu'il faut que j'arrive à exploiter. C'est-à-dire d'être comparé au meilleur, il faut aussi que je m'en serve pour progresser plus vite. Et d'être dans une équipe pro, c'est bien parce qu'on a les moyens de faire les choses correctement, de bien préparer les courses, même si l'équipe débute aussi en circuit. Donc c'est un apprentissage commun entre Citroën et moi, mais je dirais que pour l'instant, je suis plutôt content, ça se passe bien. Les gars sont motivés, je pense que moi ça me plaît d'avoir un nouveau défi, mais j'ai l'impression que la plupart de l'équipe c'est un peu pareil, ça leur plaît bien aussi d'aller vers quelque chose de nouveau. J'en étais pas conscient moi avant non plus, mais la façon de travailler en circuit est quand même très différente du rallye, c'est beaucoup plus pointu dans le détail, dans la recherche, dans les datas, tout est interprété parce que bon, les circuits on tourne effectivement toujours au même endroit, donc bon, il faut vraiment optimiser les setups, que ce soit au niveau du setup ou au niveau du pilotage, c'est une approche quand même très différente. Sur le plan du pilotage, justement, les voitures du WTCC se distinguent des monoplaces ou des GT qui sont des propulsions. Comme ses rivales, la C-Elysée est une traction avant, mais cela n'est pas pour déplaire à Seb. Sur le principe, à la base, ça ne me plaisait pas forcément, parce qu'on se dit une propulsion, ça va glisser, etc. Finalement, d'avoir conduit la voiture, je prends beaucoup de plaisir à la conduire. Voilà, avec le carnage, ça fait quasiment tous les défauts, la caisse est vraiment bien. Au final, ça se conduit un peu différemment, il a fallu s'adapter aussi. Parfois, il faut accélérer beaucoup plus tôt qu'avec une propulsion. Mais c'est des voitures, pour pas qu'elles s'ouvrent énormément dans le serré, qui sont réglées très survireuses en moyenne. Et elles sont très fines pour aller vite. Pour vraiment être sur un fil avec la voiture, et qui n'est pas évident et qui demande beaucoup de précision, beaucoup d'application. On peut se permettre parfois de glisser justement, peut-être plus qu'avec une propulsion, parce qu'on ne perd pas forcément la motricité en même temps. Donc c'est une voiture sympa à conduire. Et je dirais que ça ne fait pas franchement de différence. On ne va pas dire que c'est mieux ou moins bien. Je pense que ça ne changera rien au format de la course et au concept. Donc c'est pas mal. Pour la première fois depuis longtemps, Sébastien Loeb ne portera pas le numéro 1 en début de saison. Ce privilège sera évidemment réservé à Yvan Muller, champion du monde des voitures de tourisme pour la quatrième fois l'an passé. Pour Citroën Racing, le recrutement de la référence de la discipline découle d'une certaine logique. On a toujours eu dans toutes les disciplines des pilotes de pointe. S'il y en a un qui était le pilote de pointe de cette discipline-là, c'était Yvan Muller. Il y avait autre chose de très intéressant, c'est qu'il pouvait nous rejoindre dès le mois de juillet. Et qui pouvait être là dès le premier roulage de la C-Elysée. Et ça, c'est quelque chose qui nous intéressait énormément dans le fait d'acquérir cette expérience plus rapidement grâce à l'apport de certaines personnes au sein de l'équipe. Et c'est sûr que le fait qu'il puisse nous accompagner depuis le début a aussi été, en dehors de son palmarès et de son talent, un élément fort pour l'engager. Passé de la monoplace aux berlines dès le début de sa carrière, Yvan Muller s'est forgé un palmarès impressionnant.
Il y a évidemment 4 couronnes en WTCC, mais aussi des titres de champion de France et de Grande-Bretagne, des participations aux 24 heures du Mans, au Dakar ou en WRC, sans oublier une suprématie inégalée en course sur glace. Pour sa 20e saison en touring car, Yvan Muller affiche un enthousiasme intact. L'enthousiasme, il faut toujours en avoir, parce que si on n'en a pas, on ne peut pas faire notre travail correctement. Mais aussi, un challenge comme celui que Citroën me propose est un challenge intéressant. C'est la première fois que je vais travailler avec un constructeur français. Et Citroën est une grande marque qui a un palmarès sportif qui est exceptionnel en rallye et qui a envie d'en avoir un beau de palmarès en circuit. Et je veux contribuer à ce palmarès. C'est vrai que cette année, en 2014, le WTCC passe un cap important. Nouvelle réglementation technique, nouveau règlement sportif. Je crois que c'est une nouvelle page qui se tourne et une page qui était importante et qu'il fallait faire. Les voitures seront plus rapides, de 4 à 6 secondes selon les circuits. Et la première fois que je suis monté dans la voiture, je m'en souviens, c'était au mois de juillet. Et j'ai vraiment émis beaucoup d'enthousiasme parce que déjà enfin c'était une voiture avec un règlement sur lequel je travaillais avec la FIA en tant que consultant depuis pratiquement 2 ans. Donc enfin je voyais la réalisation du travail qu'on avait effectué avec la FIA. Et je voyais surtout un résultat qui était bon parce que c'est dans le sens qu'il fallait aller. Sébastien Loeb et Yvan Muller, ce sont 13 titres de champion du monde à eux deux. Comment dès lors ne pas penser à une rivalité entre ces deux pilotes? Ils ont tous les deux un très beau palmarès, tous les deux une envie de vaincre, peut-être pour des raisons différentes. Yvan pour arriver à faire gagner une équipe française, pour un Français c'est important. Seb parce que c'est un nouveau défi. Mais on parle tout le temps d'Yvan et de Seb parce que c'est les deux Français, les deux Alsaciens. Mais je pense que sur le côté, on a aussi deux autres pilotes, et notamment Petit Lopez qui va faire tout le championnat. Et je pense qu'il aura son mot à dire dans justement cette confrontation entre nos deux Alsaciens. Ce qui montre en essai, c'est très intéressant. Et tout le monde dit qu'il a vraiment un énorme potentiel. Voici donc le troisième homme de l'équipe, José María López, dit Pechito. Après être arrivé aux portes de la Formule 1, il s'est ensuite consacré au championnat argentin de TC 2000, qu'il a remporté à 2 reprises. Au cours de sa carrière, il n'a participé qu'à un seul meeting de WTCC, mais cela s'est terminé sur la plus haute marche du podium. Voilà donc un pilote qui n'aura pas peur de bouleverser l'ordre établi. They have a brilliant career behind them. Ivan has 4 world championships. Loeb has 9, so if you put together, they have 13 world championships. So it's normal, and I think they deserve that everybody talks about them. I'm the third driver. I'm the last arrive in the team, so I have a lot to prove. And I think you know, after a few races, you know, people will know me a little bit more. And I think with the experience I have and what I've shown in the past, I can perform well, and I think I can give a good fight to them. Definitely is a new step in my career, because since I went back to Argentina, I have done a lot of races, but my true love has been Europe and the World Championship. So I always wanted, I was happy in Argentina, but I also always wanted to come back to Europe, to come back to an official team. So for me, this opportunity is very important, and also, you know, thinking I'm one of the best teams in the world in touring cars. For me, it's very exciting, yeah, and it's definitely a new step in my career. Pechito López constitue une démonstration supplémentaire de la dimension mondiale du programme en WTCC. Mais il y a quelques semaines, Citroën enfonçait le clou en annonçant l'arrivée d'un pilote chinois au sein de son équipe. Un nouveau pilote chinois, parce que la Chine, comme vous le savez, est une priorité. On ne peut pas dire c'est une priorité de ne pas mettre tous nos efforts dans tous les domaines, qu'ils soient commerciaux, qu'ils soient marketing, qu'ils soient produits, et donc a fortiori sport, au service de la Chine. En Chine, nous commercialisons ces Élysées depuis plusieurs années, depuis 2002 exactement. Il y a un énorme parc roulant. Nous avons lancé au mois de septembre dernier la nouvelle ces Élysées,
dont les objectifs dépassent les 100 000 unités pour l'année 2014. Nous allons accompagner cette ambition commerciale avec notre engagement en sport WTCC, avec deux compétitions en Chine et avec, comme nous venons de le dire, un pilote chinois de grand talent et de renommée en Chine. Ce pilote, c'est Makinghua, âgé de 27 ans. Il a lui aussi gravi les échelons de la monoplace avant de toucher la Formule 1 du doigt. Cette saison, il pilotera une Élysée WTCC sur 5 meetings en seconde partie de saison. Après avoir remporté le championnat national de touring car en 2011, le pilote de Shanghai est prêt à saisir l'opportunité que lui offre Citroën à l'heure où l'intérêt pour le sport automobile explose en Chine. Since the last 20 years, from zero to now, the motorsport development is really fast. And I remember maybe when I start my racing career, the motorsport in China is really, really poor. There's no too much race. Only few people know Formula One maybe, but there's no too much the other series. But until today, there's almost everyone know motorsports, and it's growing up really, really quick. And the people like this sport, and of the company, of the people in China, they have paid more attention on the motorsports. Dans quelques jours, le coup d'envoi du championnat du monde des voitures de tourisme 2014 sera donné à Marrakech. Du premier coup de crayon du projet M43 WTCC à la première course, un énorme travail aura été accompli par les hommes et les femmes Citroën Racing. Mais il ne s'agit pas de la fin de l'histoire, bien au contraire. Yvan Muller, Sébastien Loeb et José Maria Lopez, bientôt rejoints par Makinghua, vont se lancer dans la bagarre face à des adversaires tout aussi déterminés. Rendez-vous à Macao dans un peu plus de 7 mois pour le dénouement de ce nouveau chapitre de l'histoire de Citroën Racing.